Annyeonghaseyo, bienvenue sur MC K-Pop, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing, tant attendu hein, de l'album Pink Memory de A-Pink. L'album Pink Memory, donc le second full album de A-Pink, qui par sa forme nous rappelle l'album Pink Revolution, qui se trouve ici, je vais pas l'attraper pour ne pas le déranger. Mais la forme rappelle quand même pas mal, contrairement par exemple, ça je peux l'attraper, à l'album Secret Garden ou Pink Blossom ou Pink Love, qui sont eux sous une forme plutôt carrée, qui sont sur une forme CD un peu plus grande, agrandie. Celui-ci est sous une forme un peu livresque, on va dire, livresque, hein, voilà, on invente des mots. Voilà, donc c'était l'occasion avec cet album de découvrir dans la tracklist Remember, en titre principal, donc qui est sorti en juillet 2015, je le rappelle. Remember, Perfume, Attracted to You, Déjà Vu, What's a Boy Want, I Do, l'instrumental de Remember, et d'autres musiques bien sûr, mais peut-être il y a Pétal aussi, ouais, parce qu'elles sont écrites en coréen, c'est toujours un peu bizarre de vous les dire, parce que la plupart sont écrites, enfin quelques-unes sont écrites en coréen, on voit pas très bien. Du coup, de tête, je sais qu'il y a Attracted to You et Pétal, mais par exemple là, elles sont écrites en coréen, donc je peux pas savoir lesquelles sont lesquelles. Et il y a What a Wonderful Love aussi, il me semble. C'était sur l'album Pink Memory. Donc comme d'habitude, on l'ouvre doucement pour ne pas abîmer ce magnifique packaging. Packaging d'ailleurs qui s'agrandit de plus en plus avec les A-Pink, j'ai l'impression. Pink Up, le sixième mini-album, est rempli à craquer. Vous vous rappelez la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la checker. L'unboxing de Pink Up est rempli à craquer. Je veux dire l'album. Il y a des photocards, des sortes de cartes postales, des grands trucs. Hein. Waouh, c'est épatant, voyons l'odeur. Ah, super, super odeur. Ça sent, attendez. Ça sent A-Pink, je rigole pas. Non, genre ça sent vraiment une odeur différente de d'habitude, regardez. J'ai la red version, parce qu'il y a la red et la white version. Memory, il y a une petite étiquette comme ça qui nous le précise. J'ouvre directement par la fin, est-ce que je commence par la fin ou par le début? Par le début plutôt, allez, commençons par le début. Ah. Ok, en fait, c'est... Je vais vous montrer. On va recommencer par la fin et on va voir. Waouh, regardez. Il est magnifique. Attendez, faut que je vous le sorte. Attendez, parce que là... Là, on part sur un CD qui est quand même magnifique. On est d'accord qu'il est magnifique. Ces couleurs, regardez, on dirait... C'est un peu psychédélique, regardez. C'est pas magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Donc, alors pourquoi je ne l'ai pas ouvert donc dans l'autre sens? C'est parce que regardez, l'album ne s'ouvre pas comme ça, mais comme ça. Alors, un peu spécial, comme ça. Donc voilà. Là, on a la tracklist. Encore une fois. Donc, je le rappelle, il y a la red version et la white version qui ne sont pas pareilles. Attendez, est-ce que je peux détacher le livre? Non, il est collé. La white version est plus white et la red version est plus red. Voilà, tout simplement. Allez, c'était MC K-Pop, bienvenue. Au revoir, à bientôt dans J'ai. Voilà, donc super photo sur Rang. Comme d'habitude, en feuillette. Alors, que pouvons-nous trouver? Donc, je feuillette. Comme d'habitude, je vous montre pas toutes les illustrations, mais certaines, j'ai eu... Oh, j'ai eu deux trucs. Alors, attendez. J'ai eu la photocard de Naeun. C'est la première fois que j'ai Naeun en photocard. Je suis assez content, même très content. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite étiquette où on nous demande prénom, date de naissance, le numéro de téléphone et l'adresse. Je me demande à quoi ça peut servir. D'un côté, il y a le white et d'un côté, il y a le red. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez à quoi ça correspond. Et puis, voilà, il est super beau ce mini-album. Si je peux vous montrer. J'essaie de vous trouver Bomi, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est Naeun. Waouh! Trop belle. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi il ne les montre pas? Il est méchant. Non, pas du tout. Là voilà, Bomi. Avec Eunji. Bomi. Et Eunji. Hop. On va pas trop bien. Voilà. Hop. Je remets tout à l'intérieur. Voilà, c'était le petit unboxing de Pink Memory.
Donc ma collection se complète petit à petit et continue encore de s'accroître. Ce n'est pas fini, messieurs dames, attendez-vous à des nouveaux unboxings courant août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt sur MC K-Pop. C'était Gabriel. Annyeong.